Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous présenter le rack 506 Power de Lindell Audio. C'est un châssis en aluminium, 6 slots pour les modules 500 donc. C'est la première fois que je vois moi un châssis en aluminium et j'ai laissé en bas ici les pas de vis libres pour que vous puissiez voir comment c'est installé, c'est-à-dire d'habitude on a les vis qui sont dans le châssis, mais là vu que c'est un châssis aluminium massif, donc les pas de vis sont encastrés dans le châssis, ce qui garantit une longévité et une durabilité assez importante. En tout cas, ce rack-là est livré avec une alimentation interne de 2,4 ampères. Ça veut dire qu'il peut alimenter chacun de vos modules 500 jusqu'à 400 milliampères, ce qui est quand même assez astronomique, qui est assez énorme pour chaque module, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucun module qui consomme plus de 150 milliampères sur le marché. Donc encore une garantie de stabilité et de longévité pour votre rack. On va voir de toute façon tout à l'heure le rack rempli avec des modules. On a sélectionné des modules qui consomment le plus dans notre catalogue et donc vous le verrez. Après, donc, il est livré comme je vous le disais, d'ailleurs je vous le dis pour la première fois, avec un sac néoprène qui permet donc, qui reçoit le rack directement. Hein, boum. C'est une matière, on dirait des combinaisons de plongée, assez épaisse. Hein. Et donc, à mon avis, ça reste quand même assez étanche en cas de pluie, bien évidemment. Hein. C'est pas fait pour faire de la plongée avec. Mais disons que ça garantit quand même une étanchéité si, au cas où il pleut ou on rencontre un peu d'humidité en déplacement. La boîte avec le certificat d'achat. Boîte individuelle donc pour chaque rack et bien évidemment l'alimentation, le cordon d'alimentation IEC ou Choco, comme vous voulez, qui est livré avec. Voilà. Voyons maintenant le rack rempli de modules qui consomment beaucoup. Voilà, c'est parti avec le 506 Power rempli de 3 modules qui consomment le plus dans notre catalogue. Hein. D'ailleurs, c'est par exemple celui-là, le Buttermaker 502 EQ502P, qui est à mon avis, à ma connaissance, le module, c'était un module stéréo déjà au départ, qui consomme le plus sur le marché à cause de ses commandes numériques, hein, qui sont automatisées, et de l'alimentation USB pour le raccorder à l'ordinateur ou à l'ado. Après donc on a l'autographe de chez Shadow Heels, qui doit être aux alentours, qui reste quand même assez raisonnable, aux alentours de 130, 120, je crois, milliampères. Et le Bose Audio, qui est aux alentours de 150 également. C'est un module stéréo. Je vais allumer voilà, le rack. Voilà. Donc, tout se passe bien. On n'a aucune alimentation, on n'a aucun problème d'alimentation, comme vous pouvez le voir. On a fait d'ailleurs exprès cette vidéo, parce qu'on a des retours. Comme quoi il y aurait des problèmes avec l'alimentation du Lindell Audio 506 Power. Elle n'a aucun souci. Donc à l'avant, on a vu pas grand chose de spécifique à vous raconter. Et puis à l'arrière, on a tout simplement donc, les entrées-sorties qui sont sur connecteur XLR. Vous avez 3 témoins ici sur l'arrière qui vous garantissent donc le bon fonctionnement du boîtier. Et donc l'interrupteur pour la mise sous tension. Voilà, donc tout simplement. Autre chose aussi qui vaut peut-être une petite explication, c'est qu'en bas, en dessous, vous avez des pads, hein, tout simplement. 4 pads pour le poser sur une surface plane comme ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a une liste de tous les modules, c'est difficile de tester tous les modules du marché, hein, mais tout simplement, si ça peut vous rassurer, à partir du moment où vos modules sont du type 500, sont format 500 standard,
et qui ne consomme pas plus de 400 mAh, et je peux vous assurer que ça n'arrive pas, c'est absolument impossible, à l'heure actuelle du moins sur le marché, c'est que le boîtier est compatible. Maintenant, on a mis une liste sur la page dédiée du 506 Power sur tous les modules qu'on a testés, et nous, on a testé tous les modules de notre catalogue, plus ceux que Lindell Audio teste de son côté avec d'autres distributeurs, etc., d'autres utilisateurs qu'on mettra à jour au fur et à mesure. Voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt.